Oh non, Pam, c'est Bélizier Morgan Jesse, PDG Staff de Rival Recyclage. De la presse parlée que télévisée. Matin, nous présents pour le lancement de grande campagne de sensibilisation du nettoyage qui commence le 15 octobre jusqu'à 24 décembre 2023. Côté nous-mêmes dans le rival recyclage, nous avons 7 ans côté n'a recyclé des déchets plastiques transformés en matière utile. Parce que je ne jodi à nous garder en Haïti, nous avons tous 10 départements pays d'Haïti, c'est Fatra. Nous avons marché sous Fatra, nous avons boué sous Fatra, nous avons fait politique sous Fatra et parfois ça nous utilise, nous dit qui c'est Fatra. Pour nous-mêmes dans le comité staff de rival recyclage, CMFP, yol, pa yol, pensé pour Haïti, yo pas Fatra parce que Fatra, ça que nous sommes capables de recycler, que nous avons observé, nous sommes capables de faire adoquer avec du chèque plastique. Ça que nous avons suivi là, c'est un adoquer que nous faisons avec du chèque plastique. Zéro ciment, c'est déchets plastiques ça qui fait adoquer. C'est même déchets plastiques nous ramasser pas ça dit qui c'est pas travail dans la rue. Nous ramasser, nous fait adoquer avec eux, nous fait panier avec eux, nous fait balayer avec eux, nous fait rideau avec eux et nous fait valise avec eux. C'est une façon pour nous sensibiliser toutes jeunes dans tous 10 départements pays d'Haïti. Parce que vision nous dans le rival recyclage, c'est mettre un succursale dans tous 10 départements pays d'Haïti. Côté nous recycler des déchets plastiques transformés en matière utile. Nous lançons une grande campagne de sensibilisation de nettoyage qui est pour fête du 15 au 18 novembre dans la ville Wanamet. C'est comme ça pour nous sensibiliser l'autre jeune. Côté nous faisons. Campagne de sensibilisation de nettoyage du 15 au 18 novembre dans la ville Wanamet et même panier ça, même déchets plastiques ça, même balai ça, nous allons faire une séance de formation pour jeunes dans la ville Wanamet et nous allons faire campagne de sensibilisation de nettoyage déjà dans Riel Chavan et ça fait matin nous présents dans Riel Chavan côté nous allons mettre panier, nous allons faire balai ça au propre dans toute ville Riel Chavan et nous commençons plusieurs autres départements, nous Inche, nous en Savon, nous l'Asile, nous Petit Oudenip, nous Wanamet et nous avons commencé pour nous à long terme pour nous qui sommes capables de mettre en sucre dans tous les 10 départements pays d'Haïti parce que vision nous c'est sensibiliser 300 000 jeunes. Nous pensons qu'avant 2034, nous sommes capables d'arriver à un succursale dans tous les 10 départements du pays d'Haïti. Le séminaire que nous allons faire dans la ville Wanamet, nous allons montrer aux jeunes qui sont capables de recycler. Après, nous finissons par ces fatra, nous allons montrer aux jeunes qui font adoquer avec du chèque plastique, valise, panier, balai. Et en même temps, ces mêmes déchets plastiques sont encore tout. Nous allons ramasser dans toute ville où on a mis, nous allons faire propre et encore tout, on a tout quitté, un séminaire, une séance de formation pour jeunes capables toujours sensibiliser, pour capables continuer à faire travail ça dans la ville où on a mis. Nous avons besoin de 6 douzaines cyclistes et nous avons besoin de 6 douzaines pelles pour nous capables continuer à avancer avec le travail là et nous avons besoin de 6 douzaines bourrettes c'est une façon pour nous capables faire campagne de sensibilisation du nettoyage là dans tous 10 départements pays d'Haïti et si vous avez un éco-citoyen qui voulait supporter le comité staff de rival recyclage organisation association qui comprend le travail que nous avons fait au sein de la communauté haïtienne il est capable de contacter nous sur plus 509 38 71 57 90 plus 509 38 71 57 90 parce que rêve nous vision nous c'est mettre en qui sale dans tous 10 départements pays d'Haïti côté n'a sensibilisé jeunes avec travail que n'a fait au niveau de rival recyclage CMFP yol parole passer pour Haïti parce que je ne jodi hein c'est pas pays Kenya c'est pas voisin c'est pas la France le Canada qui vient propter Haïti pour nous c'est nous mêmes peuple haïtien pour nous prendre conscience pour nous prendre destin nous en main pour nous capable ramasser même déchets plastiques ça pour nous transformer en matière utile parce que les États-Unis nous ont 68% de déchets plastiques à recycler chaque jour. Canada a 25% de déchets plastiques à recycler chaque jour. En France, on a 15% de déchets plastiques à recycler chaque jour. Ou bien en République Dominicaine, on a 15% de déchets plastiques à recycler chaque jour. Pourquoi pas en Haïti, nous n'avons pas 5% de jeunes qui recyclent des déchets plastiques, ça a transformé en matière utile. Est-ce que parce que les jeunes ne sont pas mobilisés? Oui, nous sommes mobilisés, mais nous pas joindre vraiment support, organisation, association, secteur privé pour nous avancer avec le travail que nous avons fait dans le rival recyclage. Et nous, là, nous sommes prêts pour nous rendre n'importe
département, organisation, association qui besoin un séminaire, quel que soit le département pays d'Haïti, nous même nous prêts pour nous déplacer dans le CMF qui dirige par manager nous, Madame Christine Saint-Georges, Yol Payol, Pensez pour Haïti, et de Rival Recyclage, nous vision nous, c'est sensibiliser 300 000 jeunes, nous pensons avant 2034, nous capables de gagner 68% de jeunes qui ont recyclé les déchets plastiques transformés en matière utile. Ça fait matin, nous remercions la presse parler et que télévisée qui baille le monde entier où est travail que jeunes a fait en Haïti. Parce que je ne dis pas, revendication nous pas âme, ni pas couteau, ni pas manchette. C'est que nous-mêmes nous voulons ouais en Haïti propre. Mais nous disons journalistes, merci parce que vous faites voir nous arriver côté nous pas arriver. Parce que revendication matin, c'est nous qui fait, nous voulons faire, nous c'est la jeunesse. Parce que moi seulement pas faire travail ça pour compte moi. C'est nous toutes et même ça que nous avons observé matin, c'est même les mêmes journalistes qui ont appelé nous faire pour nous capables de faire travail par nous au niveau de médias en ligne, écrit et télévisé. Pour nous sensibiliser les jeunes pour travailler par contre. Parce que c'est nous tous les Haïtiens qui pouvons mettre les mains dans le travail là pour travailler par contre. Jean que nous avons observé, nous avons un panier avec nous là, nous avons un balai. Et nous manquons 6 douzaines de bourrettes avec 6 douzaines de pelles pour travailler là pour continuer. Et après le nettoyage dans la ville Wanamet, nous avons fait une séance de formation côté que jeune homme a appris faire. Je peux observer. Adopter ça qui fait 100% avec déchets plastiques et valises, ça y est, je peux garder un panier, balai, tout ça que jeune homme capable d'apprendre. Alors, pas de message spécial pour mesdames? Non, merci. Message que m'avoue pour jeunes pareils moi yo, c'est aller à l'école, apprendre un métier, parce que c'est ça ou bien non mais on cap combattre et pour c'est pas arrêter sous compte monde, c'est choisir un bagage pour faire et on doit capable apprendre faire genre de travail ça que n'a fait parce que nous besoin plus jeune n'a sensibiliser plus jeune pour travailler ça pas camper. Si vous avez un travail ça normal, je pense que vous avez des besoins que vous êtes capable de faire pour tout. Ce n'est pas un monde qui a demandé un dollar ou bien 10 gouttes pour acheter. Ce n'est pas un monde qui a demandé de retourner pour faire des séries de barres. Ok, mais nous disons que ça aussi, c'est aussi avec qui pilote. Adokinsa. Bal, entre toi. Allez, Cléo. Parce que